When I got the results, I was not shocked at all. I was fully expecting it, and I'm a very practical person. And luckily for me, my family history is not so tragic. It's really, nobody wants cancer in their family, but everyone's touched by cancer. And my mom is alive and well, and I don't have, you know, aunts who were sick and, you know, great aunts and grandmothers. And I don't have that unfortunate legacy, so I was not scared. And like I said, I'm very pragmatic, and I consider myself to be relatively well-informed patient, and so I knew what the options were, and I was ready for that result. It didn't scare me. Je m'y attendais. Je me souviens, on était dans une petite pièce, puis mon conjoint à l'époque m'accompagnait. Non, j'étais juste avec mon conjoint. Puis ça a été quand même un choc. T'sais, il reste que même si tu es positive, puis tu te dis, ah, c'est sûr que ça va être positif, on dirait que je savais que ça allait être positif, je ne sais pas pourquoi. Mais il reste que quand elle te l'annonce, ben là, la tête, le petit hamster tourne, puis OK, bon, c'est quoi les prochaines étapes? Fait que pour moi, ça a été tout de suite en mode solution, c'est quoi les prochaines étapes? Puis elle dit, regarde, Vicky, là, tu sais, calme-toi, on va en discuter. Mais oui, tu sais, je ne peux pas dire que ça n'a pas été un choc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui te passent par la tête. Moi, j'ai deux filles, fait que c'est sûr que je pensais beaucoup à mes filles aussi là-dedans. Fait que cette journée-là, oui, c'était pas une journée agréable, c'est certain, même si on s'en attend. J'aurais aimé qu'elles me disent non, qu'elles me disent que c'était négatif, c'est sûr. Ouais. Quand j'ai reçu l'alerte qui confirmait que j'étais atteinte de la mutation génétique du BRCA2, ça a été un choc. J'ai eu un plus grand choc que même quand j'ai appris que c'était un cancer au sein. Parce que tu te dis, j'ai subi l'opération de mastectomie partielle, j'ai eu les traitements de radiothérapie, je suis en traitement de radiothérapie, j'ai subi la chimiothérapie. Oui, bien que le trip négatif ait une chance de récidive à l'intérieur de 3 ans, suivant l'opération, tu te dis, ben, j'ai pas tout fait ça pour rien. Un soir, je me souviens, on soupait, mon mari et mon fils et moi, puis je pleurais, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que, tu sais, on continue, puis regarde Louise, tu vivais hier sans le savoir et aujourd'hui, tu es au courant de ça. Donc, life goes on, la vie continue, puis c'est sûr que c'est un gros choc. En tant que patiente, on se blâme beaucoup. Donc, d'avoir une partie de la réponse, c'est-à-dire que de se faire dire que génétiquement, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est un soulagement. Moi, je l'ai pris comme un soulagement parce que je me suis dit, OK, c'est pas parce que j'ai mangé un McDo par mois ou que j'ai peut-être pris un verre d'alcool de trop en sortant avec mes amis. Donc, c'est en tant que patiente, ça enlève un peu le blâme, ça enlève un peu le doute. Ma première réaction, je me sentais privilégiée. J'osais à peine le dire. Ça me gênait de dire que moi, j'étais pas porteuse. Avec autant de monde atteint autour de moi, Je trouvais que c'était presque anormal de pas être porteur là, de ce fameux gène-là. Tu sais, quand tu es plusieurs dans une famille et que tu sais qu'il y en a plus que la moitié qui sont porteurs, puis avec tous les risques qu'on connaît maintenant, qu'on ne connaissait pas à l'époque, on ne pensait pas, nous autres, là, que mes sœurs partiraient l'une après l'autre. La dermatologue m'a trouvé une petite bosse dans un sein. M'a envoyé passer la mammographie. Par la suite, il y a eu l'échographie. Et bien là, c'était confirmé que c'était probablement cancéreux. J'ai été voir un chirurgien oncologue. Vu l'histoire familiale, il m'a suggéré le test génétique et l'opération. J'ai été positif au BRCA2. C'est drôle, hein? Je me rappelle pas de grandes réactions. On dirait que moi, on l'avait tellement vu avec tellement de cousines. C'était du côté de mon père, où mon père a plusieurs, avait plusieurs là, frères et sœurs, donc une famille très nombreuse. Puis il y avait tellement de cousines qui avaient fait du cancer qu'on disait que... Moi, j'ai pas été surprise. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Fait que quand elle me dit que j'étais porteuse, mais oui, qu'est-ce que je fais maintenant? When I got the results, I was pretty surprised. I really didn't think that I would be a carrier. So it was that initial shock of now what, but I guess already having been sick and needing to do surgery regardless, it kind of was just part of the process to go on and get rid of it and then kind of deal with the gene after the fact.
Quand j'ai su que j'étais porteuse, bien sûr, ça me fait paniquer pour moi, mais encore plus pour ma fille qui avait 15 ans à l'époque. Étant donné que c'est un gène qui est dominant, elle avait 50 % de chance d'être porteuse aussi. Oui, j'ai fait un test génétique justement au mois de décembre dernier. Et j'ai eu mes résultats le 15 janvier. Puis finalement, c'est négatif. J'ai pas de gène dans ma famille qui pourrait être porteur pour le cancer du sein. Je vais revoir mon médecin en génétique dans 2 ans. Dans le fond, il va me faire des suivis aux 2 ans, juste pour être sûr si jamais la science a évolué depuis, puis qu'ils ont des nouvelles données ou qu'ils ont des nouvelles informations qui peuvent compléter mon test, me donner plus d'infos par rapport à mes résultats. I was shocked. I was completely shocked because I really, my husband even that morning said, "Are you nervous?" I said, "No, I'm not nervous at all. I don't have that gene." And so when I was told I did, it was, yeah. Sent me for a loop. I was very shocked. À 30-31 ans, j'ai su que j'avais le gène. Puis je dois dire que sur le coup, bien, moi j'étais sûre de ne pas l'avoir déjà parce que j'étais plus vieille que ma mère qui avait eu son premier cancer. Puis j'avais déjà tout ce que mon père avait. Tu sais, mon père faisait du cholestérol, j'en avais. Il y avait une bosse sur le pied, je l'avais. Moi, dans ma tête, j'étais moulée sur le moule de mon père. Fait, j'ai dit, oh, j'aurais pas en plus le gène de ma mère. Et oui. Je me suis mis à pleurer beaucoup. Je pense que c'est juste le fait qu'on nous apprend qu'il y a quelque chose et que c'est l'inconnu. Même si tu sais que ta mère a eu un cancer, elle s'en est sortie, même si tu sais, mais les autres, on dirait que c'est pas important quand ça t'arrive à toi. Moi, j'ai eu mon résultat avant mes sœurs, puis le résultat était négatif. Donc, ça l'a vraiment, en même temps, ça l'a soulagé la pression ici à la maison. Puis en même temps, ben c'était un petit peu triste dans le sens que possiblement mes sœurs, il y avait quelque chose qu'eux autres n'avaient pas eu les résultats encore. C'est quand même un jeu de hasard. Fait que je me sens mal pour eux autres dans le sens que c'est eux autres qui l'ont. J'aurais été content qu'ils ne l'aient pas. J'aurais été assez content qu'ils ne l'aient pas que moi je l'aie. Je ne sais pas à ce niveau-là. De l'anxiété. Parce que je me dis que depuis que je suis née, dans le fond, j'étais déjà prédestinée à avoir un cancer. Mais aussi parce que j'ai 2 filles, puis qu'elles ont aussi 50% de risque d'avoir elles aussi une mutation génétique. Puis que même si elles l'ont pas, ils ont quand même une mère qui a une mutation génétique puis qui a eu un cancer du sein à 29 ans. Moi, ça a sorti que j'avais deux copies du gène check 2 qui étaient défectueuses. Donc ça fait assez... ça donne un coup. Je dirais que ça a été spécial un peu dans ma vie. Oui, de savoir ça, parce que là, avec les généticiens, ben là, on a dit, bon, on va faire des suivis plus rapprochés. Finding out about the BRCA gene has been enlightening and devastating at the same time. One of the most difficult things is recognizing it just doesn't affect me. You know, our greatest investment is our children. I'm lucky enough to be blessed with a partner, a lover, who cares about me. And then having the gift of children. My children are adults now. But as a parent, we never stop being parents, but we want to make sure they're safe.